Salutations family, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Je vous reviens à travers cette vidéo pour vous parler de la réouverture de frontières. Il y a un live que j'ai fait hier, très rapidement, c'était un live test, on va dire, pour essayer un tout petit peu de savoir comment est-ce que ça marchait. J'ai atteint 1000 abonnés, c'est grâce à vous et je vous en suis reconnaissant. J'ai bien voulu rapidement alors faire ces tests parce que je compte lancer une petite série, vite fait on va dire, hein, de live bien sûr, qui pourra intervenir, je dirais, dans très très bientôt. Pour revenir à ce que je disais tantôt, par rapport à la réouverture de frontières, sachez que ce n'est pas encore connu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a eu, on va dire, de spéculation comme quoi ce sera la fin du mois de septembre, toujours rien. Au début du mois d'août, toujours rien. Au début, soit la fin du mois d'octobre, ce n'est pas encore sûr. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une date qui est connue. Le bruit du couloir raconte qu'après le 15 de ces mois, bien sûr, du mois de septembre, il y aura une lueur d'espoir, comme quoi il y aura certains pays. Ça se fera graduellement, en fait. Il y aura une réouverture de frontières. Il y aura une réouverture de frontières. Excusez-moi, je suis dans la rue carrément, j'attends un taxi. Raison pour laquelle il y a assez froid et en plus je n'ai pas un micro, donc je parle vraiment un peu fort puisque ma voix porte un tout petit peu. Je pense que vous allez mieux entendre cette vidéo, sinon réagissez dans le commentaire. Donc voilà, une fois il y aura une date précise connue de tout le monde, je ferai une autre vidéo informative, comme je l'ai dit à l'un d'entre vous qui m'a posé la question, pour vous renseigner concernant la réouverture de frontières. Ne vous faites pas voir tout cela, vous, tout cela. Je m'adresse à vous, bien sûr, qui êtes peut-être en Afrique, qui êtes en dehors de la Russie. Vous voulez réellement avoir l'invitation, prendre une inscription pendant ces mois-ci, soit pendant, on va dire, cette période-ci. Sachez que c'est impossible. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune université, à ma connaissance, qui délivre les invitations. La seule chose est la patience. Il faut simplement patienter. Dès lors que une date sera connue de tout le monde, ce sera sûr. En tout cas, je réaliserai une vidéo le minute d'après. Mais jusqu'à maintenant, sachez que tout est verrouillé. Il y a une possibilité, bien sûr, pour ceux qui sont ici en Russie, ceux qui veulent ressortir, on va dire, pour revenir par la suite. En ce moment-là, il y a des universités qui émettent des invitations rien que pour les étudiants dont, on va dire, le problème de visa est beaucoup plus persistant. C'est-à-dire, ils sont presque à la fin de leur visa, ils risquent de tomber sans papier. Ceux-là, les universités leur aident à leur fournir des invitations pour pouvoir sortir. Et il n'y a que deux pays d'ailleurs, il y a la Turquie, il y a l'Égypte carrément. Jusqu'à maintenant, même après, il y a un pays qui est beaucoup plus frontalier de la Russie, est toujours barricadé, fermé jusqu'à ces jours. Donc ne vous faites vraiment pas avoir. Ceux qui sortent et qui reviennent sont ceux-là qui, pendant cette période, qui ont été en Russie et qui veulent réellement sortir pour avoir un nouveau visa et par la suite retourner ici. Il y a cette possibilité-là pour ceux qui sont en Russie, mais pour ceux qui sont à l'extérieur et qui veulent venir ici, c'est vraiment impossible. Donc soyez patients, gardez votre mal en patience. Je pense que dans pas longtemps, tout ira très bien. En fait, je vous reviens dans une nouvelle vidéo. Et la famille, c'est tout pour ce soir, c'est tout pour cette vidéo. D'autres informations, dès lors que je le saurai, je ferai une nouvelle vidéo informative, bien sûr. Toujours restez connectés, réagissez en commentaire, vos questions en commentaire, vos propositions en commentaire. Je ferai une nouvelle vidéo réponse, bien sûr, à toutes les questions qui me seront posées. Portez-vous bien, moi c'est Vima Oete. Passez une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend de l'heure à laquelle vous tomberez sur cette vidéo. Ciao, ciao, ciao.